Égalité. Quoi? Mitzi et moi. Christine et toi? Non, pas tout à fait. Je t'expliquerai. J'ai été ridicule. Mais non. Si, si, ridicule, ennuyeux, grotesque. Je m'en suis bien rendu compte après. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ce matin, mademoiselle, vous retrouvez un amoureux modèle qui sera toujours prêt à rire et à danser, qui ne se mettra plus en colère et qui ne vous dira plus jamais de mal de Mitzi. Alors, on ne m'en veut pas trop? Plus du tout. On m'aime bien? On vous adore. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Si vous saviez comme je suis heureuse ce matin, tellement heureuse. Trompette, officiez-moi. Comment ça s'est passé? Elle l'a embrassé au moins? Non. Il y avait pourtant un clair de lune superbe. Alors quoi, elle a fait les manières? Non, je n'ai même pas essayé. Oh, bah tu es la honte du régiment. Une fille gentille, pas encombrante, qui n'a pas encore eu d'histoire. Mais tu connais Christine? Non, mais je me suis renseigné cette nuit auprès de Mitzi. Ah, vois-tu, ces filles-là sont faites pour nous, et nous pour elles, à condition que ça ne dure pas. Tu vois que la baronne, ça dure depuis combien? Oh, je ne sais plus. Les premiers 6 mois ont passé comme une semaine et... Et maintenant, chaque semaine, ça dure 6 mois. Bon, mon vieux, tu devrais te décider à rompre. Une liaison qui se prolonge quand on n'aime plus, c'est pire que les arrêts de rigueur. Pour le deuxième peloton! Pour la charge! Au galop! Bah!